Sérieux? Necros, tu es le Calimero de ta commu? C'est une grosse vanne à tout le monde. Tout le monde dit fuck Baptiste. Baptiste la merde, comme on dit. Mais c'est horrible. Non, mais. Baptiste le GOAT, bon roi. En vrai, parlons des deux joueurs en positif. C'est deux joueurs extrêmement bons. Et ça, c'est surtout, c'est les. Parmi. C'est les meilleurs. Non, les meilleurs représentants de leur perso. Voilà, j'ai pas peur des mots. Voilà, non, alors en France, oui, très clairement. Enfin, en France, oui, pardon. Mais clairement, en fait, tu veux trouver qui? Non, mais en vrai, en Isabelle. Et Lyonnais, Miss est meilleur. Non, Miss n'est pas meilleur que. Voilà, voilà. Miss n'est pas meilleur que. Comment ça s'appelle? Bien, dis bien, vive le Sud. Que Necros. Non, c'est vrai. Mais. Et ces deux personnes extrêmement gentilles. Voilà, quand même un peu positif. En vrai, j'adore les deux. Ils sont super drôles. Ils sont super gentils. Et voilà qui s'affrontent quand même pour une top 8 winner side. Les deux qui ont profité pour qui ont profité à des queues et des upsets, Flynn et Wookstone qui n'étaient pas sur leur route, et bah du coup les voilà s'affronter ici pour beaucoup d'enjeux. Une DI bof, mais surtout en fait là tu vois c'est un petit peu l'essence de ce match-up, tu vois. Le match-up c'est quand t'as tort, bah force à toi, tu vois, parce que Cory ça te met très très mal. Et on le voit directement, on tente des rides. 33% de mi. Alors il faut savoir que le match-up est ingrat au possible. Ah ouais, le match-up est vraiment très très ingrat. On a un upper bon de Corinne. Voilà. Bon, on a des aérioles en général. On a le pin de Corinne qui peut punir peut-être pas à l'autre bout du terrain. Voilà, là littéralement tu vois le pin. Littéralement tu hyper vois. Ingrat. Non mais si Goison avait la react que du coup Necros posait le pin, bah posait le gyroïde, il se faisait prendre. Ah, ça c'est mort. Ça c'est mort, ouais, forward side B. Forward side mais B. Ouais, ça a pas l'air très très drôle déjà avec grandes épées comme ça face à Isabelle. C'est pas la grande joie pour le petit chien. Non, mais là en plus de ça, le ping qui casse la mine immédiatement, qui rec vite, ça va être dur. Mais après, Necros est habitué des match-up ingrats. Hein. Le nombre de persos insupportables, voilà, il affronte des Palutena tout le temps, il m'explose, y a pas de problème. Iriamu à l'époque jouait min-min, il était vraiment pas mauvais et Necros se démerdait comme il pouvait pour quand même le battre. Alors, pour le coup, en fait, après, quand tu joues un petit peu ces persos-là, t'es obligé de gérer tes matchs. De te démerder comme tu veux. C'est vraiment obligatoire. Et pour le coup, ça se tabasse même très très bien. Et on est une forteresse. On pousse le gyroïde sous la plateforme et on a du mal côté Goison. C'est malin de la poser sous la plateforme parce que du coup, le pin est beaucoup plus dur à trouver pour pouvoir casser cette mine. Et pour l'instant, le mur est très efficace. Le mur Necros, incroyable jusque-là. Alors, certes, la roll là ne sera pas catchée, mais là, on va reprendre le centre. Dommage qu'on se fasse surprendre là-dessus. Mais Necros a fait un très beau taf, il est loin d'être out. Non, il est loin d'être out pour le coup. Et en fait, pour moi, c'est un petit peu ce qui manque actuellement à Necros. Pour, même si c'est le meilleur représentant de son perso, déjà il est juste trop fort au jeu, déjà disons-le. En fait, tu vois, c'est ce jeu de jab. Là, littéralement, Goison était mort. Jab, oh là là, voilà. Très très bien vu. Par exemple, le jab reverse up tilt upper, c'était trop et ça tuait le G. comme on l'appelle si bien. Et c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Mais ouais, c'est serré, ça se tabasse en fait. Ça se tabasse très très bien. Alors Necros un peu plus fuyant quand même. Il fait attention parce que évidemment au corps à corps, voilà, c'est pas évident. Pas le temps de poser la mine face à ce neutre à l'air de Corinne. Et du coup on est obligé de jouer un sorte de double jeu un peu bizarre. Mais on arrive bien à compenser la difficulté de l'épée, etc. avec un très très bon avantage. On voit depuis le début Necros, à chaque fois qu'il touche, c'est un bon 40-50% qui part. Après, mine de rien, Isabelle, c'est un. Oui. Tu peux me regarder, Goison. Je n'ai pas changé les règles du jeu. Très clairement pas. Après, c'est Isabelle, je te l'ai dit. Au-dessus du chouchou, il n'y a plus d'orbox. Mais. Alors, il faut savoir aussi ça. Pourquoi le match-up est ingrat? Tu le verras sur les attaques. Les buts d'Isabelle vont juste tout simplement extendre les coups de Corinne. Ah, ouais, ah bah oui, en plus, du coup. Ok, je vois. Ouais, pour le coup, c'est bien. Oh, waouh! Quelle punition en landing. Ouais, elle était très violente. Alors, certes, on n'aura pas la canne à pêche, mais on s'est très très bien mis dans cette game. La mine avait déjà disparu, et ça, c'est une très mauvaise information. Et c'est une très mauvaise situation là pour Necros qui va devoir subir le left trap de Corinne et prendre ce premier back air. Attention, là, on va attendre les ballons pour le faire, évidemment. On va venir tech. Bien vu. On était complètement paré. On va tenter le back air. Non, pas encore. Ah, ouais. C'est dur. Je souffre. C'était serré, mais Necros a fait un sacré taf. Necros a fait un sacré taf. Et en fait, j'ai même parce que je dois caster, mais en même temps, j'essaie de voler un petit peu ses techniques. évidemment, on va pas le laisser. Mais non, mais juste, pourquoi tu l'orientes comme ça? Bah si. Non, mais quand tu l'as lancé. Ok, non mais... Okay. Moi, je mets pas Corinne, je te crois. Eh oui, c'est nul le FSH.
évidemment c'est en train de parler au caster on sent que le Goison c'est un peu le daron de la commu, on l'aime comme il faut, mais il va falloir un peu beaucoup de courage hein, pour Necros. Il faut avoir raison beaucoup plus de fois, on l'a bien vu, des S-Smash pour catcher l'ending, c'est pas tout le temps qu'on les trouve ces S-Smash. Oui, c'était vraiment beau, hein. Quelle réaction, on a bien gardé sa position côté Necros, et résultat, bam, on a failli avoir la stock derrière, hein. C'est dommage qu'on ait concédé le terrain et le ledge trap juste après. Oh là, c'est une belle phase là de la part de Goison, ouais. Attention à comment ça se passe au niveau de ledge, ouais, le neutral air qui a tout cassé les cailloux. Ah, vraiment, ça c'est dur. Vraiment qui a tout cassé au début en fait, là comme tu peux le voir on avait 70 mais en fait on a pris 70, pourquoi? Parce qu'on a jab à bas pourcent. Oui. Il faut savoir que le jab d'Isabelle à bas pourcent n'extend sur rien et du coup on s'est fait punir. Phase de désavantage, tu prends 70 parce okay. que tu as gagné un jab. On mais oui, en fait, pas genre... jab à pas pourcent avec Isabelle. En fait non, okay. il faut avoir raison sinon. Ok ouais. Je vois. Ouais il faut avoir la ride etc. Ouais, c'est... Bah force. Par contre on en parlait, c'est un petit peu aussi un peu le même avantage, désavantage que Yas avec son robe. C'est que Isabelle, on a Isabelle avec un lead de stock. Oh mais Gucci, on mange très très bien, le frigo est rempli. Si Goison par contre prend cette première stock, problèmes. Je vois. Ouais bah en même temps forcément on peut bien appuyer là où ça fait mal hein, face à Corinne quand on a de l'avance parce que Corinne c'est quand même assez lent donc on peut réussir à ralentir le tempo. Oh là là là, douille il la voulait trop, père quel tech de top et pourtant Necros n'est pas réputé pour ses techs. Là c'est dommage par contre cette mauvaise habitude de vouloir sauter caillou tout le temps qui va nous faire perdre la stock face au upper de Corinne. On a plus de mal sur Battlefield. On a beaucoup plus de mal en fait, on peut un peu plus se mouvoir, on a ses plateformes en fait, okay. On se dit vas-y pourquoi pas le corner, mais en fait comme on l'a vu avec ce pire, on est venu s'enfermer, ça touchait une distance scandaleuse, évidemment les petites techs comme on aime bien. Et en tout cas je te remercie mon très cher beaucoup parce qu'en fait j'ai l'impression de faire un AVC à chaque fois que je vois une interaction comme ça qui ne fonctionne pas. Ok. Ah c'est ça, ok. Ambitieux. Ouais c'est ça que tu me dis, ok. Et il me regarde, ok. En fait, Goison me disait, ouais, mais la Rico elle est punissable. Je fais, oui, mais vas-y. Depuis quand la Rico est. Vas-y, la Rico de courir. Ouais, je trouve qu'il a pris beaucoup de risques et. C'était bizarre quand même, hein. En fait, c'était bizarre, mais en gros, il m'a expliqué que avant que les ailes se déploient. Ah, c'est avant. En fait, elle a une hitbox au niveau des pieds, mais pas au niveau du corps. Au niveau des pieds, et comme par hasard. Ouais, bon, après, voilà, ça pourra. Ne demandons pas pourquoi. Mais du coup, vu que le down air est une hitbox continue. En fait, ouais. Ça va venir le taper à ce moment-là et je ne comprenais pas. Et maintenant, merci Necros de me l'avoir. Redisons-le encore une fois. Oui. Cas d'école. Cas d'école. Oh, oui, toujours, mais en même temps. Quel bon joueur ce Necros là. Par contre, ouais, on va air dodge et on va prendre le pin en plein dans la gueule. C'est et mon co-caster qui est en train de faire plus qu'un AVC actuellement, il en a ras le cul. Hein, ras la margoulette, Goison. Voilà, c'est terrible. Mais mine de rien, en tout cas, on a un avantage 36%. Ils sont quand même assez impartial. Il va falloir un petit peu faire l'effort de tous les titans pour remonter ce nerf qui va toucher notamment en première option, mais aussi en deuxième avec le couvert à l'arrière. Ouais, on va trouver une bonne zone 3 en plus de ça, les pourcentages qui sont très hauts, on a tenté la douille canne à pêche, on n'avait plus beaucoup d'options. Et là on prend la totale, on prend quand même assez cher, on a du mal à revenir sur le terrain, on va essayer de suivre cette Corinne qui recule. Mais globalement Necros qui trouve pas grand chose, on va pas se mentir, si quand même, ce forward smash en roll, juste là en surprise, pourquoi pas. Et puis derrière le neutral air, pourquoi pas en ledge trap. Est-ce qu'on peut conclure sur une stock? Ça pourrait être vraiment pas mal. Oh là là, quelle temporisation avec le side B. Voilà, on temporisation avec le side B. On est revenu recevoir ce center stage, mais évidemment ce coup d'aile qui triche, qui touche d'ailleurs. En fait d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite pointe au niveau de cette aile, qui est une hitbox évidemment. Ok, ah la jab d'un smash évidemment, c'est 3 à partir de 95%. Ouais, ici, ça envoyait assez bas donc. Ça envoyait très très bas donc qu'un seul angle possible, une canne à pêche. Une trajectoire dégueulasse, hein, ouais. Enfin qui envoie. Mais on prend 8 tech dose pour Necros qui potentiellement va peut-être gagner ouais, sa deuxième match, bien, ce deuxième match. Bien vu, attention quand même au pin. Oui, en effet, peut-être qu'on peut revenir là-dessus. Toulon, ça aime bien les comebacks, mine de rien. Ouais. Et là, on va prendre ce side B dans le shield, ce upper juste derrière. On a du mal, attention à la douille ici. On va reprendre la canne à pêche, attention au side B. Ah ouais, on atterrit là sur très mauvaise option là-dessus de la part de Necros. C'est bon, canne à pêche, on peut revenir. Oh là là, quel mix-up! Quel mix-up! On est soulagé, hein. On est clairement soulagé. On voit que c'est quand même dur pour Goison. Il faut savoir qu'on se fait souvent parce que l'ending upper, mais l'ending upper qui est-il punissable? Non! Si, avec une canne à pêche qui est en gros commit parce que si tu rates ta canne à pêche, tu te prends un pin! Ah, je pensais sur le shield. Ah, mais sur le shield? Ah oui, sur le shield. Ah non, bah non, pas sur le shield. Ah non.
Alors peut-être avec des techniques un peu bizarres du style Fustool out of shit down there. Pardon, mais en termes de pourcentage ici. Mais on peut comprendre un petit peu la dureté du match-up. On peut voir que quand même Necros s'en sort quand même assez bien et surtout qu'on respecte son adversaire. Ouais. Match-up imperdable par le G, annoncé par le G. Mais malgré tout, ça reste Necros en face. Ouais. Ça reste le meilleur représentant de son personnage. Canapèche qui va mettre 22% parce que pourquoi pas. Merci. Ah oui, enfin. Ouais. Enfin, parce que depuis tout à l'heure, il a pris plein de neutral air et tout. Et niveau anti-air, les up tilt. Je trouve que c'était pas trop ça. D'habitude, on en trouve plus avec Isabelle. Bah écoute, là on en trouve un premier. Ça nous a donné une très belle impulsion ici. Une très belle phase d'avantage, 81% déjà. Maintenant, il faut empêcher Guazon de reprendre le centre. Malheureusement, c'est jamais évident. Avec les bonnes hitbox de Corinne, très bon option shot au shield ici. Ouais, Necros qui semble reprendre des couleurs petit à petit. Ah bah PS2, une map quand même qui est très très bonne pour Isabelle. Très très grande map. On peut venir zoner, on peut venir un petit peu jouer de son jeu. Et comme tu en parles, en fait, de ces up tilt, généralement, les up tilt sont trouvés sur Isabelle. Il a pris la totale. Début du gyroïde, canne à pêche, explosion du gyroïde, vraiment. Il a vraiment tout pris le ref. Mais comme je disais, en fait, Corinne, c'est un très très bon jeu. Close range, mid range. Et du coup, en fait, tes up tilts, généralement, tu vas les utiliser pour un petit peu couvrir les Je suis désolé, mais c'est trop un top player. C'est incroyable. Alors là, par contre, ça va baiser un peu son timing. Mais sinon, globalement, une stock en tir d'avance, déjà 66%. Et un side B, qui a failli tuer en plus de ça. Ouais, qui a failli tuer. Le caillou. C'est très très fort, très très bonne connaissance de matchup, le pin. Il faut pas râler parce que si on commence à râler, c'est là où en fait on se déconcentre et tu n'as pas le droit de se déconcentrer contre Corinne. Oh oui. On rappelle 72%, on a quand même pas mal de pourcentage, on a l'avantage, c'est quand même à Corinne d'approcher actuellement. Ouais, c'est quand même à Corinne d'approcher, mais Necros, faut pas qu'il perde son rythme là qu'il avait, qu'il a réussi à trouver sur cette première stock, sur même la deuxième de Guazon. Et là, malheureusement, c'est en train de s'effacer hein, petit à petit cette avance qu'on avait. On essaye de reprendre le centre. Ok, une dash attaque qui nous donne un peu d'air ici, mais le landing ne sera pas couvert. On n'a pas le temps de mettre une mine. Cette canne à pêche, en revanche, va nous faire gagner du temps. Et là, on a peut-être une nouvelle chance de poser son jeu et de trouver une stock. Ah, pour le coup, on voit cette canne à pêche qui est un petit peu trop frôlé le bord. On attend belle patience du côté du G, comme on l'appelle de son nom. Et là on le voit, petit oui de la tête. Ok, oh, ça je savais pas. Le pot qui pouvait tout frame Corinne, je pensais que ça touchait automatiquement les ailes, pas du tout. Non, vraiment la recovery. Oh là 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 là, bien vu ça. Mais la prise de stock, les d'autant plus pour Necros, très très bien vu. Avantage de stock, sauf que là il va falloir réussir à retrouver ce center stage et pas se mettre en corner avec un gyroïde. Attention, je trouve qu'on a peut-être utilisé le gyroïde un peu tôt là-dessus. C'était un peu dangereux du coup la situation de ledge trap. Mais écoute, Necros a bien réussi à reprendre le centre. Maintenant il faudrait trouver quelques pourcentages histoire de prendre de l'avance sur cette stock. Malheureusement on n'y arrivera pas. On va un peu se donner face à ce backer. On va vachement sauter dedans. Et du coup Necros qui a perdu toute son avance ici, hein, complètement. Bah clairement toute son avance, on a vu un Necros dominé. Oh là là, il doit avoir raison au moins 10 fois contre peut-être 5 fois par rapport à Corinne. Et juste en une phase, un backer, et c'est fini, tout ça aux oubliettes. En fait, tu n'as pas le droit de te relâcher. Ce fait encore qui est venu un peu s'écraser sur l'épée de cette Corinne. C'est dangereux ça, c'est très dangereux, oh mon dieu. Mais c'est bon, bonne utilisation du tilt là en RPS sur le shield. Attention, un premier neutral air au backer qui guette. Et plus très loin là, Isabelle c'est léger, Guazon est en train petit à petit de se rapprocher de ce 3-0, de se rapprocher de ce kill final. Attention, side B, cette fois-ci un fait un peu trop tôt. Attention également au mix-up, on est en train de faire peur là côté Guazon. Et Necros qui a du mal à avancer, qui a du mal à imposer un jeu. Très stressant comme situation. C'est vraiment très très stressant. Et pour le coup on le voit, le Guazon qui veut chercher ce pin, il veut chercher ses kills d'options. Et ce sera pas encore. Peut-être qu'on a peut-être un petit peu stall à force de le faire. Sauf que là c'est Isabelle qui est en position de ledge. On va réussir à le rattraper. Juste un upper, peut-être un backer, un fer, un pin. Juste une seule chose et c'est la fin pour Necros dans ce winner bracket. Ouais, attention, oui ça reste du winner hein, donc ce n'est pas fini pour le perdant. Mais je pense qu'un top 8 winner side nous ferait du plus grand bien pour les deux joueurs. Et là Necros qui tente une approche avec ce nerf. Le cross-up était pas une bonne idée, le upthrow ne tuera pas encore, heureusement pour le joueur d'Isabelle. Attention à side B, ce ne sera pas le sweet spot. 158%, c'est vraiment très risqué. Et là on a tenté le tout pour le tout avec ce backer. Et le upper de Guazon qui le qualifie en top 8 winner side, rien que ça, mesdames et messieurs. Très bien vu, on l'a vu, on était à peu près 2 minutes 40 au compteur. Et un match qui a duré sur la durée, vraiment qui...
sur la longueur, c'était éprouvant autant pour Necros que pour Guazon. Voir juste ses attaques juste s'écraser sur son adversaire et il y a rien. Ouais, il y a rien. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Le jeu qui compare des choses. C'est réel. Force, très très force en tout cas. Je suis dégoûté. Oh, moi aussi. Mais je t'aime pas, Guazon. Je t'aime pas. Non, sors de cette pièce. Moi je t'adore, mais en fait. Non, mais genre littéralement. Ah, genre... tu m'invites plus dans tes projets? Pas de soucis, mon grand, pas de soucis. Démerde-toi tout seul avec tu sais quoi. Wesh, tu dis quoi là? Chut. Mais heureusement les micros sont pas activés. Il a leak un truc de fou. Non, mais oui, je sais. Ouais, oui, exactement. Évidemment. Exactement. Non mais Guazon, quand je voyais ton air, il gagnait pas. Genre je suis en mode. Oh. Mais bon, très bien joué. Bon, t'as eu chaud aux fesses. Hein. Ouais, non mais en vrai. Mais no joke, c'est vraiment ce que j'ai ressenti un peu. Hein. Ouais, c'est... Mais en tout cas, bien joué, t'es resté carré. Que du love.